Ravi de vous retrouver les amis pour ce calendrier de l'Avent 2023 où je suis en Alsace et là précisément je suis à Strasbourg. C'est les marchés de Noël, donc il y a plein de gens dans la rue, il y a des tramways, il y a aussi les galeries Lafayette avec des musiques de marionnettes que je vous ferai écouter après. Et du coup c'est la troisième année qu'on fait ça et mon but c'est de vous encourager, de vous aider avec légèreté, sur un ton plus informel que d'habitude, pour tout simplement vous aider à être plus épanoui. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Mais évidemment, vous le savez, chez Coach en Mission, notre but, c'est de vous aider à devenir des coachs en mission, à développer un business aligné avec qui vous êtes et qui contribue au monde. Donc, bienvenue ici en Alsace. Si vous ne le savez pas encore, j'ai emménagé ici il y a quelques mois maintenant. Et c'est génial. Donc, hâte de vous faire visiter un peu la région durant ces 24 jours. Alors, quel est le thème de notre calendrier de l'Avent? Et bien, aujourd'hui, je voulais vous parler du quoi? C'est ce qu'on va voir durant ces 24 jours. J'aimerais vous parler de notre parcours interne. Vous savez, la vie, c'est un voyage, une aventure. Sauf que dans ce voyage, cette aventure, il y a plusieurs parcours qui se font en même temps. Et pour que nos objectifs soient atteints, pour vivre une vie épanouie, j'ose penser qu'il y a deux parcours qui se font en parallèle et qui sont comme les deux pédales d'un vélo. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du vélo avec une pédale en moins. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois quand j'étais plus jeune avec mon vélo, la pédale cassée. Et ce n'est pas rigolo, c'est possible. Hein, on avance, mais on n'avance pas de manière optimale. Alors, le premier parcours, c'est le parcours interne. C'est votre vision, votre pourquoi, votre mindset, vos émotions, vos croyances, votre foi, votre vie spirituelle. Et tout ça, c'est invisible et c'est indispensable et c'est le départ de tout. Et il y a en même temps un parcours externe qui est, en tant que coach par exemple, votre marketing, les publications que vous faites, vos tunnels de vente, en termes commerciaux, vos appels, comment vous faites du setting, du follow-up, du closing, comment vous structurez votre entreprise, vous organisez votre journée. Et en fait, pour réussir dans la vie, on a besoin des deux. On ne peut pas juste se contenter de méditer et réfléchir. Et on ne peut pas se contenter que d'être uniquement dans de l'action. Parce que dans le premier cas, on est des penseurs, c'est bien, mais ça ne nous épanouit pas parce que nos réflexions ont pour unique bénéficiaire nous-mêmes et que ça ne colle pas aux besoins de contribution qu'on a tous. Personne ne peut être heureux qu'en cherchant à se développer seul. Et permettez-moi aussi de vous dire que on ne peut pas vraiment se développer juste seul à travers nos pensées. On a besoin d'être dans du concret, dans l'action. Mais le problème, c'est que si on n'est que dans l'action, on peut passer à côté de sa vie. On peut se retrouver à 80 ans, gagner des millions, être populaire, être riche, avoir une grande maison, une grande voiture et même une belle famille, mais d'être passé complètement à côté de sa vie parce qu'en fait, on n'a pas été aligné avec ce qu'on aime, ce qu'on veut vraiment faire et on a vécu la vie d'un autre. Donc, on a besoin des deux. Et durant ces 24 jours du calendrier, j'aimerais me concentrer sur le parcours interne. J'aimerais vous apporter des réflexions sur comment vous pouvez être de meilleures personnes, des personnes plus épanouies. Et en même temps, en faisant ça, vous allez pouvoir travailler sur le parcours interne de vos clients, n'est-ce pas? Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Et en travaillant sur vous, vous allez pouvoir améliorer votre vie et votre entourage. Et en aidant vos clients, vous allez améliorer la vie aussi de leur entourage. Et donc, ce travail qu'on va faire sur vous et qu'on va faire sur la vie de vos clients, on aura un double bénéfice. Et ça va être génial, génial, génial. Et hâte de passer du coup ces 24 jours avec vous. Et j'ai un cadeau pour vous. Je vous ai dit qu'il fallait les deux. Mais je ne vais pas pouvoir faire les deux durant ces audios que je veux garder plutôt courts, légers, fun. Ce que je souhaite aussi pour vous, c'est de pouvoir travailler ce parcours externe. Alors, on ne va pas le faire là. Par contre, on va le faire
lors de webinaires que j'organise durant ce mois de décembre. Ça faisait des années que je faisais plus trop de webinaires. Cet été, j'ai repris quelques webinaires et en fait, ça m'a beaucoup plu. La possibilité de vous rencontrer, d'échanger avec vous, de vous faire faire des sondages, de vous apporter quelques templates, des exercices, plutôt que ces formats courts où on ne peut pas aller en profondeur, et ben c'est ce que j'ai envie de faire avec vous. Donc, on organise une série de webinaires. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous avez un lien en description et on va vous aider à lancer un business de coach en 2024 en vous aidant à trouver votre positionnement, votre persona, votre niche, mais aussi ce que vous vous aimez, là où vous êtes compétent, hein, on fera une forme de bilan de compétences si vous voulez. Et puis, je vous montrerai aussi le business model d'un coach qui réussit. Et tout ça, ben, c'est totalement offert, c'est cadeau, c'est pour la période de Noël. Donc, inscrivez-vous via le lien en description. Et allez, je vous le tease un petit peu aujourd'hui déjà. Sachez qu'on a prévu un cadeau spécialement dédié aux personnes qui s'inscriront à ces webinaires parce que c'est la période de Noël et qu'on a envie d'offrir des cadeaux. Donc, pour savoir ce que c'est, inscrivez-vous. J'ai hâte de vous retrouver déjà demain pour une nouvelle session. Et puis à ces webinaires, on va pouvoir passer une heure ensemble à travailler, à réfléchir et à préparer 2024 pour prendre de l'avance et pour attaquer l'année avec enthousiasme. Je vous dis à demain les amis et je vous kiffe et hâte de passer cette période de Noël, cette période d'avant avec vous ici en Alsace.